Voilà, c'est peut-être mieux avec le micro quand même. Bonjour à toi YouTube, c'était Camon. On se retrouve sur Les Sarah, ce Beat Kingdom. Ouais. Twitch, re, merci de votre patience. Nous sommes en compagnie de Zaporti, Dilki44 Gaming. Salut à toi ma grande. Eh oui, on a fait un premier tuto. J'appelle ça un tuto ce qu'on a vu. Première montagne, tout se passe bien. On va continuer. On va retrouver un peu tout ça dans le plaisir. Alors donc c'est un city builder à la sauce anneau, dans le sens où tu poses des bâtiments, ils sont prêts à l'emploi. Mais il y a des événements météo. Et dans cette map, c'est les avalanches, je pense qu'on va bien se marrer. Ouyo ! Allez, on va reculer, on entend les moines chanter. On a déjà fait le quartier des plaines. En fait, c'est un peuple qui a eu des problèmes. La brume est apparue. Ils ont donc fui. Et on a reposé des premières maisons avec des champs de céréales qui font du tsampa. Des œufs de poulet pour les nourrir. Et comme ça, ils sont contents. En plus, comme tout allait bien, on a fait un pont. On a rejoint une deuxième zone de montagne. Attendez, regardez-moi cette montagne. On peut pas réduire ça? On peut pas réduire. Si, on peut. On peut réduire. On a ensuite fait les artisans. Et ici, nous avons commencé à extraire du cuivre. À chaque fois, il faut un marché. Donc, à nouveau, des champs pour nourrir les artisans. Des œufs de poulet. De ce cuivre qu'on a extrait, on a dû faire un comptoir pour le diviser, pour envoyer sur deux chaudronniers, pour faire assez de lingots de cuivre. Et en faire des ustensiles qu'on distribue en biens de consommation aux artisans. Jusque là c'est top. Nous sommes montés plus haut. Et Norbert le Yak peut le confirmer, il est dans la roue. Nous avons établi ce chemin de poulies. Les gens descendent en chariot et élévateur. Et nous avons des apiculteurs, des moines qui font de la recherche. On a donc un niveau de recherche. Et voilà. Et bonjour à toi Angie Ténébrae. Et oui, les vrais virtuels. On est plusieurs je pense, hein, en effet. Et ce nouveau comptoir est fait et dirigé par des artisans. C'est ça, des artisans. Il y en a 5. On a 35 chômeurs d'habitants des plaines. Nous avons 33 chômeurs d'artisans. 2 moines sans emploi. Et un yak. Bon, tout est bien. S'assurer maintenant que l'on puisse aller plus haut. Et pour ça, pour aller plus haut, on va faire un comptoir commercial. Ça va être l'objectif du jour. Avec mon chat à côté qui a faim, je vous raconte pas. Assurez-vous que le comptoir soit prêt. Et pour ça, on va devoir bloquer les avalanches avec des arbres. Les séries n'ont pas besoin d'être reliées au réseau routier. Pour bloquer les avalanches plus puissantes, vous avez besoin plus tard de plusieurs rangées de séries. Ah bon? Alors là, en distribution, pourquoi? Le comptoir commercial, on verra après. On en aura besoin de yak. Protection anti-avalanche, et là, c'est quoi? Un pont. Oui. Ah ouais, on a mal géré là. J'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'on peut faire un chemin? Oh la chance, oui. J'avais pas pensé. Alors vu l'avalanche que c'est, on va faire le pont plus bas. Ok. Alors c'est les différentes zones, zone basse, zone intermédiaire et zone haute. 3 habitants des blaines par série. Filtre met en évidence les parties de votre ville protégées contre les avalanches. Mais c'est à vous de déterminer où elles peuvent frapper et où cette action protectrice est nécessaire. Est-ce qu'on le fait au plus haut? On va faire comme l'animation, hein. Et quand t'as 3 étoiles blanches comme ça, protection contre les avalanches. On a une seule étoile. Ok, tout ça, c'est couvert. Ça ne suffit pas ? Je n'ai pas besoin de route. Donc là, je peux en mettre en haut, non.
Ouais, ça lui plaît pas, pourquoi? S'assurer que le comptoir commercial soit opérationnel. Écoutez, on va mettre le comptoir, je pense que c'est bon. Donc on aura besoin de yak. En zone basse, on en a 7. On a de la place en bas. Bah, posons ici nos petits yaks. En même temps, c'est les champs de céréales. Voilà, on est passé à 8 yaks. Neuf artisans, on a ce qu'il faut, 6 yaks. Ok. Comment ça protège? Il faut que je sois dans la zone de protection ici. Pas là. On va relier. Et c'est bon! Ah bah il vient de sortir, Ilki, ce jeu. Il est sorti le 10 avril. Tu peux tenter chez Spirès si t'es intéressé pour écrire au développeur. Je te donnerai l'adresse email si tu veux. Tu m'y fais penser à la fin du live. Attention. C'est parti, on fait un test. Le comptoir commercial tiendra, nous sommes sauvés. Je tiens à vous le dire, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ah, Bouddha est avec nous et moi j'ai mon café. Nous sommes enfin prêts à continuer. Frayons-nous un chemin jusqu'à la première vraie montagne. Oh là là, oh là là. Jusqu'où tu veux aller? C'était une colline pour eux. Attention. Flamme espoir, les collines c'est réussi. Et on a débloqué toutes les autres. Tadantan. Vente step, repos du diable, l'âme brisée, la femme étouffée, le sarpic. On n'est pas fou, on va pas les sarpics. Hein. Pourquoi il y a une feuille par contre là? Vente step. Zone végétale équilibrée, gisement, du cuivre et de l'or. Pour importer des steps, tout ça, on n'a pas encore importé pour l'instant. On va pouvoir faire du fromage, du charbon, de l'encens et des lampes à beurre. Avalanche puissante et repos du diable. Avalanche standard, idéal pour débuter. Ah, quand il y a ça, c'est idéal pour débuter, d'accord. Des cristaux et du cuivre. Poisson, ustensiles et viande fumée. Peu nombreuses. Ok. Eh ben, on va partir au repos du diable. Et bien, cher Ilki, je t'enverrai des explications sur Discord. Je dirai à qui écrire comment faire. Allez, novice, expérience très permissive pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de construction de ville. On a l'habitude, nous, standard, hein, c'est ça, adepte. Laisse la place aux erreurs, moi je suis plein de bêtises. Professionnel. Ah, ça c'est plus pour Angie Tenebrae, professionnel. Une expérience plus difficile qui exige une bonne compréhension des mécaniques du jeu et le recours à des solutions efficaces. Écoutez, on est là pour découvrir. On n'est pas un gros yak, on est un jeune yak. Moi je dis adepte. Et là, c'est parti pour de vrai. Les artisans font des dons plus généreux. Oui, c'est vrai qu'on a eu des impôts aussi. Nouvelle montagne. Ouh. Et là, on va savoir si on a retenu la leçon. Une montagne, le lieu tout indiqué pour ériger un temple du sommet. Ok. Quelle forme étrange. Pourquoi? Oh, il a une belle cassure, là. On dirait l'empreinte d'un animal gigantesque. C'est vrai que ça fait une patte de chat. Nelson, tu as marqué la montagne! D'anciennes et titanesques créatures vivraient-elles dans les parages? Imaginez un peu. Peut-être étaient-elles aussi colossales que les montagnes elles-mêmes, et les gens s'installaient-ils sur leur dos? Ça rappelle un jeu qu'on a testé, on était sur un dinosaure. Et quoi d'autre? Ils collectaient des ressources sur le dos de ces créatures pendant qu'elles allaient vagabondant? Une seule chose est sûre, nous devons dévoiler le secret de ces lieux. Ok, le jeu qu'on démarre ici. On va faire pause. Allez. Tac, tac. On a nos cristaux là. Il faudra la recherche niveau 1. Je regarde un petit peu en haut pour faire du miel. Du cuivre, des rivières.
Oh là 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 là. Oh, avalanche. Ok, une étoile de neige. Un flocon de neige plutôt. Ce serait peut-être mieux de dire comme ça. Et en haut, peut-être fera-t-on ce qu'il faut. Encore des cristaux. Et on va faire un truc que je n'ai pas fait tout à l'heure. La zone de départ. Là. Le jeu voulait qu'on démarre ici. Et que la molette se la maintenait. Voilà. Ça ne rigole pas. Je mets en pause, j'aurais besoin d'un truc. Est-ce qu'on peut enlever l'interface ? Caméra, activer le mode photo, ça touche P. Ah ! Attends, j'étais trop vite. Focus CF. Translation, qu'ils entendent par ça. Translation haut, c'est tab, et bas, c'est left control. PF, tab, control. Ok. P. Rrr. Ah ouais. Ok. Ah oui, donc avec tab, je monte. Et si je fais F. Ah oui, on peut déplacer comme ça aussi. Oh, c'est chouette. La touche F marche pas. Et je verrai le dossier plus tard. J'arrête de vous embêter avec ça. Mais ça me plaît bien. Ok. Eh bien, c'est parti. Il va nous falloir d'abord 40 habitants des plaines. On va commencer bêtement en faisant notre route. Oui. On reprend. On nous avons 4 par maison. Nous, il en faut 10. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il nous faut de la tampa, il nous faut de l'agriculture. Et pour ça, on va commencer à poser le marché. On va faire des œufs de poulet, hein, parce que bon, ça on aime bien. Coco. Tiens, on a la place. Oh là là, on a justement la place ici, parfait. Et on va faire l'agriculture. Production de sampa. Donc on est en zone basse, on en produit 6. On va faire un premier champ. Les champs comme ça pour l'instant, et on va poser le moulin ici. On va les relier. Et le moulin envoie sa farine sampa au marché. Voilà, parce qu'on a deux récoltes par an de 6, 12, 24 qui nous font 12 farines, et une farine satisfait une maison. On a les œufs de poulet. On a ça. Ah, pourquoi un seul truc de cocotte suffit? Apparemment, on n'en consomme que la moitié. Le tsampa, j'ai compris. Alors, un œuf de poule ne ferait que 5 maisons, 2 œufs, 10. On pourrait aller doubler. Ah oui, ok. Ça, c'est cool. Et bienvenue à ceux sur Twitch qui nous rejoignent. On a fait le tuto, on démarre vraiment la montagne. Le repos du diable. Avoir maintenant 10 huttes d'habitants des plaines au niveau 2. Illumination. Voilà, dans les besoins, tu cliques sur la hutte. Et tu vois que maintenant, pour l'améliorer, il nous faut des trucs de prière. On va dans illumination. Et on va installer un hôtel à prière. Alors, je peux en mettre un là. On va en mettre un ici. Et on va mettre un là.
sais plus quel nom ça. Ça s'appelle pas des stupas ou un truc comme ça au Tibet. Et ça y est, on peut les upgrader. Regardez, il est grimpé sur le toit, ils sont en train de réparer le toit. Hop là, c'est fait. Ah, et quand on peut les upgrader, ils sont en train de faire les travaux. Ah, oh, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est mignon. Et maintenant, nous avons plein d'habitants des plaines. Victoire! Nous avons 68 sans emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Yak? Votre ville ne dispose pas de suffisamment de travailleurs. Des travailleurs externes? Oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on manque d'œufs de poulet. Comme on a tout upgradé, on va tout de suite en nourriture. Et on va poser un nouveau poulailler. Qui n'a pas de route. Voilà, et on fait le tour du marché. Voilà. Et le poulet au marché. C'est pas bon? Je comprends pas ça, mais on s'inquiète pas. Première étape réussie. Bon, rien d'imprévu est arrivé. Tout cela ressemble bel et bien à une montagne ordinaire. Bilversé. Oh là là. Vous êtes aveugle au signe que nous envoient sans conteste les esprits. Très bien, comme vous voudrez. Mais ça ne change rien au fait que nous devons agrandir notre ville. Le cuivre est là. Nous devrions mettre à profit ces gisements de cuivre. Ok, on va faire ça. Le problème, c'est qu'il y a une avalanche au-dessus. Ah. Pour le moment, pas de risque d'avalanche. Si ça arrive, nous construirons quelques séries pour régler le problème. Je vais juste... C'est pour moi. Baisser un peu encore la musique. Voilà. Donner à 50 artisans accès à l'ustensile. Donc on va faire le quartier. La question est, est-ce qu'on fait les artisans ici? Ou là-haut? Je pense que des routes en terre tassée. Ah, attends. En chemin de terre pour l'instant, oui. Coût de construction 2 par case. Route en terre tassée. Entretien 1 par case. Construction 2. Ouais, mais on n'a pas les impôts. On peut faire un pont ou ça conduit. Et on a une pipette pour dupliquer, comme dans Factorio. Écoute, j'ai mon chemin qui monte là. Le problème, c'est qu'au niveau agriculture, ça va pas être top. Je suis un peu embêté. On va faire aussi un chemin ici, tu vois. Paf. On peut faire un pont. Une avalanche, tiens, je voulais voir. Tiens. Elle est où? Ah oui, donc tu as ça qui te le met dessus, d'accord. Et celle-ci est de quel niveau? Puissance 1, flocon de neige. Celle-ci, puissance 1. Tout va bien. Le truc, on sait que pour faire descendre les marchandises, c'est avec les comptoirs. Comme cela, c'est avec les artisans. Ah oui, si. On pourrait faire les artisans là. Je sais pas, on va voir, on va réfléchir à ça. On va commencer par un marché. Voilà, on a l'arrivée du chemin là. On va gentiment commencer le chemin. Voilà, on a relié tout le tour du marché. Parfait. 50 artisans. Punaise. Là, j'en fais 5, donc 4 fois 5, 20. Oh, bah dis donc. On va faire des chemins pour voir comment on y est.
On va se donner une petite marge. Je laisse un de case. Ok, là ça va. Et en graphisme, je suis en élevé. Et je suis avec une carte Nvidia 1650. Hein. Je suis pas avec une grosse carte graphique. Tout marche bien. On est à 40 artisans. Il en manque 10. Fois 4, 12. Donc là, on est bon. On est à 55. Oui, bon, bah, j'ai un peu exagéré. On va leur donner de l'illumination aussi. Je pense que c'est important. J'en mets un ici. Est-ce qu'ils sont tous touchés ? Ah, il y en a un qui est plus... pourquoi ? Cette maison-là n'est pas touchée. On va en mettre un de plus. Hôtel à prière, voilà. Donc, les besoins, ça c'est bon. Maintenant, il nous faut de la nourriture. Il faudra de la tempa et du fromage, on n'en a jamais fait. Et les ustensiles. On va faire la nourriture. Les petits œufs. Donc on exporte. Pas de demande pour cette ressource. Eh ben, c'est pas grave, on va faire la sampa quand même. Donc là on est en zone intermédiaire. On a mis 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. 13 maisons. On va commencer par faire nos champs. On va pas se prendre la tête. 1, 2, 3, 4. On va voir combien on fait en production. On va poser le moulin, pas trop loin du marché. Vous perdez de l'argent. Ah oui. Est-ce qu'il est trop loin? Non, ça va. Pas à portée, mince. On va le déplacer un chouïa. Là, c'est bon. On en obtient 8 et on en consomme 5,2. C'est vrai? Apparemment, ils sont tous contents, d'accord. Ouais, on en fait que 4. Bon, on a 3 récoltes par an, d'après ce que je comprends. Et ouais, et on parle de montagne et tout. J'ai un ami qui m'a parlé d'un jeu de montagne où on peut grimper. C'est vrai que je vais regarder un peu, qui peut être détente. On verra si on fera ça ou pas. Il y aura du live ce week-end, pour info. Pour toi, YouTube aussi. Monty Nelson, excuse-moi. Voilà. T'es mieux comme ça. Donc maintenant, il faut... ils ont à manger. J'ai fait des œufs de poulet quand même. Eux, ils voulaient que du tsampa. Donc les poulets, c'est un peu trop. Il nous reste tout le monde. On va extraire le cuivre qui est là. Voilà, une première mine qu'on va poser. Il veut pas ? Ouais, parce que là, ça lui plaît pas. Là, ça lui plaît. Si je peux la poser ici, c'est bon. Très bien. On a besoin de yaks apparemment quand même. Donc on va faire des yaks. En zone intermédiaire, on en a que 4. On a besoin de 9. On en a que 4. Il en manque 5. Voilà, travailleur 9, c'est marqué en yak. Donc il m'en faudra beaucoup. Où est-ce qu'on pourrait les poser? On va le faire ici. Le cuivre est là. Il m'en manque un. Je ne voudrais pas gêner. Ah, c'est serré, hein. C'est serré, c'est serré.
Voilà, j'ai posé trois pâturages de yak. On a trois en expo. On est bien. Du coup, on va aller en prospérité. On va faire le magasin d'accessoires qu'on va poser. Il faut qu'il ait accès à tout le monde. On va faire un chemin. Le magasin d'accessoires. Est-ce qu'il a accès à tous les artisans? Presque. Est-ce qu'on peut pas déplacer celui-là? J'ai déplacé un artisan qu'on ne touchait pas. Ouh, et si je mets là, c'est bingo. Parfait. Maintenant, on va aller en distribution. Parce que on va avoir besoin sûrement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaudronniers. Donc là, on extrait 4 lingots de cuivre. On va reprendre le tuto. On va distribuer. Il nous en faudra 5 habitants des plaines. Il nous reste 7. Poser là. Donc on va envoyer le minerai au distributeur. Et nous, on va faire des chaudronniers. Production d'ustensiles en cuivre. Oui. On va mettre 2 chaudronniers. On va relier par la route. Du coup, j'envoie du réseau de distribution vers un premier, vers un deuxième. On a envoyé la moitié, voilà, un lingot dans chaque. Et chaque chaudronnier va envoyer du coup pas à portée. Oh punaise. Déplacer le bâtiment. Est-ce qu'il est à portée? D'accord, et là on peut l'envoyer. Là ça marche. Ah, excusez-moi 2 secondes. Alors, on fait une petite route là. Pourquoi il met ce panneau là? Trajet de transport non valide. On va pas se prendre la tête, on va déplacer l'autre chaudronnier à côté. Et lui, on va le déplacer également. On va le mettre par là. Ça m'embête un peu pour les champs. On va reprendre ça. On va envoyer en distri, pas à portée. Ah, c'est ça le truc. Si on le met au milieu. Je suis dans sa zone. D'accord, on a la zone jusque-là. Très bien. Ah, je pourrais peut-être le descendre jusqu'en bas. Ça veut bien. Et là. Il n'est pas dans la zone, on va déplacer celui-là. On va le mettre ici. Voilà, les deux sont à portée, donc lui il fournit, on a le chemin. Et lui, est-ce qu'il est à portée? Oui, ça y est. Ouf. Et bonjour, Alex Cord. Bonjour, Monsieur Tech. Alors, ça part crapahuter en haute montagne? Et oui. Et le Nelson, bah, il attend, vous savez quoi? Mais il va attendre encore un petit quart d'heure. Je regarde mon chrono. On en a encore pour cet épisode-là, YouTube, 20 minutes, en gros. Donc chaque chaudronnier fabrique 5 ustensiles, on en a 10. En fait, j'avais besoin d'en faire qu'un seul. On le savait pas. On a vu large. Et du coup, on n'a plus que 2 habitants des plaines. Je vous propose de refaire quelques habitants de plus. Voilà, on va poser une petite maison juste pour voir. On peut l'upgrader, il n'y a pas de problème, on est monté à 12, oh, allez on y va. Hein. Oh là 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 là. Sans collecte de dons, je ne sais pas encore. Il faudrait en supprimer, d'accord, j'ai vu un peu trop.
Ah bah, on se garde un peu de main-d'œuvre. On y va. Vous n'allez pas me croire, la nuit dernière, les esprits m'ont envoyé une vision. Je me suis vu regarder à travers la terre et la pierre, plongeant le regard dans la nature même de l'univers. Vous avez simplement trop mangé avant d'aller vous coucher. Oui, alors? Oubliez ça, à présent, je sais ce que nous devons faire. On s'inquiète pas pour le timer de Dessous, on verra après. Nous bâtirons une académie en plus haut de la montagne. Oula. De là, mes frères et sœurs et moi, nous pourrons étudier et contempler les mystérieuses empreintes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... ils n'ont pas de demande d'œufs de poulet. Donc, on va détruire ce bâtiment. Voilà. Ensuite, on sait qu'ici, on ne consomme que 3,2. On va détruire celui-là. Ah, ça a l'air de se calmer. Est-ce qu'on a besoin, du coup, d'un réseau commercial? Ouais, quand même. Quand même, quand même. Et du coup, est-ce qu'on a besoin ici de nos 10 habitants? Peut-être. On va cesser le timer, les finances. On va maintenant faire la recherche avec les moines. Donner accès à l'éducation à 50 moines de la zone en altitude. Oh, merci. Ce qui veut dire qu'on va devoir grimper encore. Yak, il nous manque un yak. Super. Ça commence. On va commencer à faire nos petits yaks. Plus bas, ce serait pas mal. Voilà. C'est quand même mieux. J'aimerais me dire ça d'ailleurs. On va peut-être raser les autres. On vire les yaks. Il en manque 9. On va les faire beaucoup plus bas. Oh, on peut faire un gros champ. Oh oui. Attends, tu veux pas cumuler? On va faire un petit chemin. Il nous manque un yak. On perd de l'argent. Ouais, bah écoute, on va se dépêcher, hein. On empruntera à l'État. Et ici, on a des avalanches. C'est super. On va se poser des questions après. On va faire l'académie. On va demander des dons. Boîte à dons en urgence. Si j'en pose un ici. Voilà. On n'a pas fait ça. On pouvait faire ça dès le début, j'y ai pas pensé. On touche tout le monde. Pourquoi je peux pas faire ça là? Il me faut 13 artisans. On les a. Entretien 43. Coût de construction 150. Ah oui, bah voilà, on remonte la caisse. Ça y est, niveau thune nous a porté, on est bon, oui. J'ai réagi à temps. Plus 156 dons citoyens à proximité. Les moines aussi. Moines et habitants des plaines de artisans 3. On va arriver à... On va avancer, on va passer en vitesse rapide. Voilà, on y est. C'est bien, c'est très bien. Voilà, et on remonte, et on est content. Du coup, on va se redonner quelques maisons cette fois. On a le pognon. Et là, il nous manque quoi? Aucun marché à proximité. Ah, t'es trop loin. Écoute, on va le mettre là. Hein. Il te demande de l'illumination pour être upgradé. Très bien, parce que eux, c'est pareil, illumination. Très très bien. On va en poser un ici. On va en poser un juste là. Et on peut upgrader. Voilà, habitants des plaines, on monte encore. On est monté à 39. Artisans, on n'a plus beaucoup.
Non mais ça, c'est pas des impôts, Alex Cord. Ils demandent juste des dons, c'est des boîtes à dons. C'est du télédon. Voilà. Là, on est OK. On a du pognon. On voudra faire une protection avalanche. Puisque celle-ci, on sait pas comment elle part. C'est quoi, ça? Ah, une avalanche. Ah bah justement. Ah ouais. Et c'est que niveau 1. On a tout ça à protéger. C'est très bien. Du coup, on voit rien. On va augmenter, ici on peut, ok, on voit la zone de couverture à protéger. Ça coûte cher ces trucs là? Attends, est-ce qu'il y a un entretien? 4. Aide à la capitale, la capitale nous a des 300, des dons on en a 436, entretien bâtiment on est rendu à 434. Faire gaffe. On met ça pour l'instant, mais je suis sûr que celui-là n'est pas utile. Ah bon ? Éducation de 50 moines. On va poser l'académie en dehors de l'avalanche. On va mettre la route. Vous perdez de l'argent. Non mais sans blague. Ah là 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 là. On va poser tout de suite une trésorerie. Et on va poser nos moines. Et eux, ils ont quoi? Éducation, c'est fait. Mais ils ont besoin de nourriture. Il faut poser un marché. C'est parti pour souffrir. Hein. C'est quoi ça? Petit élevage de yak. Utopie des yaks. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra après. On va poser un marché. On va prendre un risque. On va le poser ici. Eh, mais le jeu est balèze. Hein, ça rigole pas du tout. Voilà. Oui. Manque d'artisans aussi. Mais ils donnent du pognon, les artisans. Donc on voudrait les artisans. Quoi? Je refuse. On n'a plus d'argent. La population abandonne votre quête. Ah non! La thune vous tue. Oh. On retente, on va voir. Ah ouais, zéro de thune, ça punit, je pensais, je voulais voir. Voilà, on perd de l'argent. On va faire tout de suite, du coup, hop. Production de Sampa, ouais. Voilà, et tout de suite, j'ai un artisan là, on va prendre la goutte. Ça suffit pour donner des impôts. Que nous dit? Bah normalement on est bon. Il manque des champs. Voilà, on est fait à 124, donc il faut plus de champs. Manque de champs, production. Vers le moulin. Ça y est, on est bon. On perd de l'argent. Aucun marché à proximité. Ah. Main d'œuvre montante, pénalité.
Punaise. On va m'appeler Pécresse. Mais... Écoute, tu me fais tousser. Bon, on a viré le bâtiment des moines, ça coûte une blinde pour l'instant. Ça va être tendu. On fait une petite sauvegarde. Le repos du diable est balèze. On avait une pénalité de main-d'œuvre. Je pense qu'on va se mettre un peu plus de gens. Comment ça se passe? Consommation de ressources, 12 sur 6. On consomme que la moitié. Faisons encore quelques gens qui donnent un peu plus de pognon. Non mais tu te moques de moi? Aucun marché à proximité. Mais si je te fais une route... Ah, tu vois, le jeu a l'air facile au tuto, mais après, ça devient vicieux. La route, c'est bien. Donc le moulin est à 24, il est au max. On va dupliquer les artisans, on a besoin d'argent. Les dons est monté à 544, entretien... 442. Oui, je pense que tu as raison, Alex, le marché au milieu. Vous voyez, quand vous m'écoutez, tout se passe bien. En plus, le personnage interact... Ouais, d'accord. On y va, on démarre. On va essayer de faire nos 50 moines. Je vais écouter le chat. Un petit peu. Ça arrive des fois. Et on va le mettre ici. J'ai fait une route en trop, là. Oui. Comment ça se présente? Ouais, parce que le marché, ça coûte d'entretien 21 et 10 habitants des plaines. Il n'en reste plus que 2. On n'a plus assez d'habitants des plaines. Eh ben, cette fois, on va continuer. On va continuer autrement. On manque de poulet. C'est eux qui mangent les œufs en fait. Voilà, on a un petit chemin là, on pourra mettre quelque chose ici. Est-ce qu'ils sont bien? Ah, attends, s'ils avaient du fromage, ça serait top. Il n'y a pas de niveau de recherche requis, je regarde un peu l'ornement niveau 1. Est-ce qu'on pourrait faire du fromage? Est-ce que ça améliorerait pas encore les maisons? Plus amélioré, meilleurs sont les dons. Hein. On est rendu à 604. Établi une table à yak. Une fromagerie, c'est 4 yak. On a 6 de disponibles. Et après, ça va à la fromagerie. Il nous faut 4 habitants des plaines ici, et là-bas il nous en faut 3, il nous en faut 7, on a large. Faisons une fromagerie. Je peux la coller à côté des yaks. Ouais. Ce qui semble RP, hein. Et du coup, la fromagerie... Pas loin du marché, le marché juste en bas. On va mettre la fromagerie ici. Je peux pas la monter d'un cran. Ah ouais, tu vois, c'est au maximum. Et lui, il va pas très loin. On envoie vers la fromagerie, qui envoie au marché. Apparemment... Une fromagerie suffit ici pour tout le monde, d'accord. Alors du coup, maintenant... Pour monter après, il nous faudra... Un truc qu'on n'a pas accès. Si on a les ustensiles... On n'en produit pas assez. Ah! Du coup, ça rigole plus, ça y est, on va installer... Le deuxième. Bon, il y a un lingot au chaudronnier. Le chaudronnier ici.
Ça veut pas? Non, reçois pas de bien. Pas à portée. Ah, la finesse du jeu, je vous raconte pas. Bah écoute, on va le mettre ici. Il veut bien le livrer. Là, ça marche. On a augmenté la production d'ustensiles. Maintenant, il m'embête, il manque des yaks. C'est quoi? Ici, on a colonisé l'endroit. On va mettre des yaks ici. Hein. Voilà, exprès. Hop, un petit coin yak, peinard. Comment ça se passe le pognon? On est monté à 600 et entretien 510. Donc là, on a presque 100 pièces de dispo. Je pense pas qu'on puisse upgrader pour l'instant. On est quand même à 16 habitants des plaines. On va pousser un peu le bouchon. Voilà, ils n'ont pas d'illumination, donc ils sont pas heureux pour upgrader. On va se donner des bras avant de continuer. Bon, 46 habitants des plaines. Voilà, voilà, c'est bien. Ah, système de porteur et de stockage, donc tu crois que c'est dans ce jeu-là? Enfin, les gens, ils portent, hein, regarde. Ça y va, le cuivre est bon. On va pouvoir upgrader plus tard le cuivre s'il y a besoin encore. Et là, c'est quoi? Pas assez de fromage. Mince. On produit de la laine 9, de lait et 2 de laine. Et là, ça consomme 6. Il semblerait qu'on puisse faire une autre fromagerie. Alors attends, lui, il va jusqu'où? Ouais, par le chemin, il va communiquer là. Là, il communique. On lui envoie. Comment ça? Distribution peut-être? Revoir un peu? Non, ça va pas de bien, il en donne tout à l'un. Ok, on va arrêter l'envoi. Distribution. Comptoir commercial. C'est bien, ouais, mais il touche que l'autre. Donc lui, on va le monter un peu. Qui touche la route du haut. Voilà, je l'ai déplacé un tout petit peu. Lui, on va arrêter les envois. Tu envoies au comptoir. Le comptoir va envoyer à celui-là et à l'autre. Et on redistribue au marché. Et pourquoi il y a un point d'interrogation? Oui, pas assez de ressources. Ok. Je suis d'accord, mais là, on utilise tout le lait. Là, il en prend 6. Là, on n'a que la moitié, mais il refait du fromage. Et bah, du coup, on est bon. Et bonjour, Acid. Salut à toi. Bienvenue dans Les Sarins. Oh, on est top. Côté timer, eh bien, écoute... oui. Ça fait déjà 40 bonnes minutes, 45. Le repos du diable, qu'est-ce que t'en penses, mon Nelson? Il est diabolique, il a faim, il veut du pâté de l'espace. Ah, eh ben, je propose à toi, YouTube, prochain épisode, on va attaquer le quartier des moines. On a mis nos protections d'avalanche. On a fait une première, un premier fail, on n'avait pas assez de sous, on a fait attention. Et puis des petits hacks, voilà, on étend. On va finir juste comme ça pour le fun. Petite route ici. On peut encore faire un pont. Voilà, et je colonise au fur et à mesure des besoins, on fera des champs par là. Ça va être bien. Mais en attendant, on va sauvegarder la partie. Pourquoi il y a sauvegarder la partie Ouais. YouTube, oui.
On retourne sur le menu principal, c'est la pause pâté de chat, la pause café. YouTube, merci à toi. Et Twitch, on se dit dans 5 minutes si vous le voulez bien. C'était Camon avec vous dans le City Builder de la montagne. Pour l'instant, on a des avalanches. Je vous mets le son à fond. Et je vous dis à tout de suite.